Michel Fourniret, le monstre des Ardennes. Michel Fourniret, né le 4 avril 1942 à Sedan en France, est un nom qui évoque l'horreur et la terreur dans l'histoire criminelle française. Surnommé le monstre des Ardennes, Fourniret a commis une série de crimes abominables, laissant derrière lui un héritage de souffrance et de deuil. La vie de Michel Fourniret a été marquée par des signes précoces de comportement problématique. Enfant introverti et solitaire, il a connu des démêlés avec la justice dès son adolescence, notamment pour des vols et des agressions sexuelles. Toutefois, ses premières infractions ne laissaient que présager la sombre trajectoire qu'il allait emprunter. Fourniret est surtout connu pour sa série d'enlèvements, de viols et de meurtres de jeunes femmes dans les Ardennes françaises. Il ciblait des adolescentes et de jeunes femmes vulnérables, utilisant des ruses et des astuces pour les attirer dans son piège. Fourniret avait une manière d'opérer effrayante. Il ciblait des jeunes femmes et les attirait en prétendant avoir besoin d'aide pour trouver son chien perdu ou en offrant un emploi fictif. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, il les ligotait, les violait et les tuait. Sa femme, Monique Olivier, a joué un rôle crucial dans ses crimes. Elle a participé activement à certains enlèvements et a aidé à attirer les victimes. Le duo macabre a agi en tandem, créant une atmosphère de terreur dans les Ardennes. En 2003, le couple a été arrêté, mettant fin à une série de crimes qui avaient duré des années. En 2008, Michel Fourniret est reconnu coupable de sept meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité. Sa femme, Monique Olivier, a également été condamnée pour complicité. Au fil des années, Fourniret a fini par avouer d'autres crimes, ajoutant de nouvelles victimes à la liste déjà macabre. Ses aveux tardifs ont élargi la compréhension de l'étendue de ses actes criminels. Michel Fourniret a passé les dernières années de sa vie derrière les barreaux, continuant à susciter horreur et incompréhension. Il est décédé le 10 mai 2021, emportant avec lui les détails de nombreux actes criminels non résolus et laissant derrière lui une histoire de cruauté et de monstruosité. Le nom de Michel Fourniret reste synonyme de terreur en France. Son cas souligne l'importance de la vigilance et du travail acharné des forces de l'ordre pour protéger les communautés contre de tels prédateurs. Plongeons dans les profondeurs obscures de l'histoire criminelle française, où des noms sinistres et des actes abominables ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire française. Dans cette exploration, nous mettons en lumière quatre affaires de tueurs en série qui ont fait pleurer la France, Marcel Petiot, Michel Fourniret, Émile-Louis et Guy Georges. Chacun de ces chapitres nous offre un aperçu de leurs crimes, de leurs traques et de leur impact persistant, tout en gardant à l'esprit que ces récits portent la douleur des victimes et de leurs proches. Marcel Petiot, le docteur meurtrier de Paris. Marcel André-Henri Félix Petiot est né le 17 janvier 1897 à Auxerre, en France. Il a étudié la médecine et est devenu médecin généraliste. Néanmoins, derrière son apparence respectable se cachait un tueur en série notoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Petiot a commis une série de meurtres brutaux qui ont choqué la France et le monde. La période de la Seconde Guerre mondiale a créé un environnement propice pour les activités criminelles de Petiot. Les contrôles de sécurité étaient réduits et l'occupation allemande avait semé la confusion dans la société française. Petiot a tiré parti de ces circonstances pour attirer ses victimes dans son piège. Petiot a loué une maison au 21 rue Le Sueur à Paris, qu'il a équipée de pièges mortels. Il prétendait aider les gens à fuir les nazis en organisant de fausses évasions vers des destinations sûres. Les victimes étaient censées lui remettre une somme d'argent considérable pour financer leur évasion. Cependant, une fois à l'intérieur de sa maison, elles étaient tuées de manière brutale. Marcel Petiot a utilisé diverses méthodes pour tuer ses victimes. Certaines ont été abattues d'une balle dans la nuque, d'autres ont été empoisonnées à l'aide de produits chimiques toxiques. Il aurait également utilisé des méthodes plus macabres, comme la décapitation. Après avoir tué ses victimes, il les démembrait et brûlait les restes dans sa poêle. Le 11 mars 1944, un incendie a éclaté à la maison de Petiot, attirant l'attention des autorités. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert des restes humains partiellement brûlés dans le poêle et dans d'autres parties de la maison. Cela a conduit à l'arrestation de Petiot. Le procès de Marcel Petiot a commencé en 1946. Il a tenté de se présenter comme un résistant héroïque, affirmant qu'il avait tué des nazis et des collaborateurs. Pourtant, les preuves étaient accablantes et il a été reconnu coupable de 26 chefs d'accusation de meurtre.
Le 25 octobre 1946, Marcel Petiot a été condamné à la peine de mort. Une caractéristique particulièrement troublante de l'affaire Petiot est le nombre de victimes. On estime que le nombre de personnes tuées par Petiot pourrait atteindre jusqu'à 63, bien que le chiffre exact reste incertain en raison de la complexité de l'affaire. Marcel Petiot a été exécuté par la guillotine le 25 mai 1946. Sa mort a mis fin à l'une des pages les plus sombres de l'histoire criminelle française. Émile Louis, le tueur de Lyon. Émile Louis est un nom qui évoque l'horreur et le crime dans l'histoire criminelle française. Surnommé le tueur de Lyon, il a commis une série de meurtres impitoyables qui ont secoué la région de Lyon dans les années 1970. Émile Louis est né le 7 janvier 1934 à Auxerre, en France. Avant de devenir connu comme un tueur en série, il a travaillé comme chauffeur de bus pour un établissement gérant des personnes handicapées mentales. Cette position lui a donné un accès privilégié aux victimes potentielles. Entre 1975 et 1979, Émile Louis a enlevé, violé et assassiné 7 jeunes femmes handicapées mentales âgées de 16 à 35 ans. Il a attiré ses victimes en leur offrant des promenades en bus, les conduisant vers des endroits isolés où il les a agressées. Les corps des victimes ont été retrouvés dans des lieux reculés et cachés, rendant la résolution de ces crimes d'autant plus difficile. La série de meurtres a suscité une inquiétude croissante parmi les autorités et la population locale. Les enquêtes ont mis en évidence des similitudes dans les disparitions et les découvertes de corps, pointant vers la possibilité d'un tueur en série. Cependant, les preuves étaient minces, et l'identité du meurtrier est restée mystérieuse pendant des années. En 2000, Émile Louis est arrêté pour des accusations de viol sur des femmes handicapées. Au cours de l'enquête, des liens ont été établis entre Louis et les meurtres non résolus de Lyon. Finalement, il a avoué les meurtres, révélant des détails macabres sur la façon dont il avait attiré, agressé et tué ses victimes. En 2004, Émile Louis est jugé et reconnu coupable des meurtres des 7 jeunes femmes. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais il est décédé en prison en 2013 avant de purger sa peine. L'affaire Émile Louis a mis en évidence la vulnérabilité des personnes handicapées mentales et les défis auxquels elles sont confrontées en matière de protection. Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien, est un nom qui évoque la terreur et la tragédie dans l'histoire criminelle française. Entre 1991 et 1997, il a commis une série de meurtres et de viols brutaux qui ont secoué Paris et la région avoisinante. Né le 15 octobre 1962, Guy Georges est devenu l'un des criminels les plus notoires de France. Son mode opératoire consistait à s'en prendre à de jeunes femmes, les violant et les tuant avec une violence extrême. Les meurtres de Guy Georges ont semé la peur et la confusion parmi la population. Les enquêteurs ont travaillé dur pour rassembler des preuves et identifier le tueur. Finalement, en 1998, grâce à des preuves ADN, Guy Georges a été arrêté et accusé de plusieurs meurtres. Le procès de Guy Georges a été suivi de près par les médias et le public. En 2001, il a été reconnu coupable de meurtre et de viol pour ses crimes atroces. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté incompressible de 22 ans. L'affaire Guy Georges a marqué la mémoire collective française. Les crimes odieux qu'il a commis ont rappelé la nécessité d'une vigilance continue pour protéger la société contre de tels prédateurs. L'histoire de Guy Georges est un rappel tragique que le mal peut prendre de nombreuses formes et se cacher derrière des visages ordinaires. Elle souligne également l'importance d'une justice rigoureuse et d'une réponse appropriée pour rendre justice aux victimes et prévenir de futurs actes criminels. En nous penchant sur ces sombres récits, nous honorons la mémoire des victimes et des survivants, tout en nous engageant à bâtir un avenir plus sécuritaire et bienveillant. Si vous souhaitez continuer à explorer des sujets intéressants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu captivant.